C'est en 1843 que ce navire, le SS Great Britain, a été lancé ici dans ce dock à Bristol. Il a été conçu par un ingénieur nommé Isambard Kingdom Brunel. À l'époque, les navires étaient construits en bois, mais ici, pour la première fois, celui-ci a été entièrement conçu en utilisant uniquement l'acier. C'était le plus grand navire du monde, destiné à l'origine à assurer un service entre Bristol et New York. Malheureusement, d'un côté, le coût de la construction a été beaucoup plus élevé que prévu, et de plus, le navire a été renfloué après un échouage consécutif à une erreur de navigation, si bien que les propriétaires ont fait faillite. Le Great Britain a été reconverti pour le transport des immigrés entre l'Angleterre et l'Australie. Il a fait 32 trajets aller-retour, soit plus de 1 million de milles nautiques. Et c'est en 1970 que ce navire, qui avait fini sa carrière comme entrepôt pour le charbon aux îles Falkland, a été remorqué jusqu'à son lieu de fabrication pour en faire un musée. Brunel a cherché à améliorer la performance du navire en proposant de remplacer les classiques roues à aubes de l'époque par une propulsion par hélice. Les machines de propulsion à vis étaient plus légères et permettaient ainsi une économie de carburant. Elles pouvaient également être installées plus bas dans la coque pour améliorer la stabilité du navire en abaissant son centre de gravité. Le Great Britain était équipé, en plus des voiles, d'une machine à vapeur de 1000 chevaux, ce qui était énorme à l'époque. La visite du navire permet d'imaginer comment se déroulaient les voyages au XIXe siècle. Les passagers de première classe bénéficiaient d'une cuisine raffinée, comprenant notamment de la viande. Mais à l'époque, il n'y avait pas de moyen de réfrigération. Il fallait donc embarquer des centaines d'animaux vivants. C'est pourquoi, pour tenir les 70 jours vers l'Australie, le bateau embarquait une vache, 3 veaux, 30 cochons, 150 moutons, 500 poules, 400 canards et 50 dindes. On imagine les odeurs que cela procurait sur le navire. Et tout cela attirait bien sûr des intrus dans les cuisines. La salle à manger de la première classe était luxueuse, avec des tapis, des murs décorés, des piliers en marbre et de longues tables magnifiquement dressées. L'éclairage était assuré par des puits de lumière naturels et des lampes à huile. Au-dessus de la salle à manger et tout près des appartements du capitaine, les passagers de première classe disposaient d'un immense pont qui leur était réservé. Les salons s'étendent sur 34 mètres de long et 14 mètres de large. L'extrémité du salon principal donne sur les fenêtres de la poupe du navire. On a retrouvé de nombreux journaux écrits par les passagers qui relate les événements pendant les voyages vers l'Australie. Le soir, après les repas, il y avait des concerts de musique, des pièces de théâtre, des lectures de poésie et toutes sortes de divertissements. De chaque côté du salon, des couloirs mènent aux couchettes des passagers de la première classe. Thank you.
les conditions de vie des autres passagers de deuxième et troisième classe étaient beaucoup plus précaires. Très peu de ventilation, aucune lumière naturelle. Ils devaient se contenter de viande et poissons salés, et de porridge, de biscuits qu'il fallait tremper dans de l'eau et du café. Ces passagers dormaient dans des conditions rendues difficiles par l'étroitesse des couchettes. Ils ne disposaient pas de salle à manger, et la plupart du temps, les conditions climatiques ne les incitaient pas à aller sur le pont supérieur. Il y avait toujours à bord un médecin, à la fois médecin généraliste, chirurgien, pharmacien, dentiste et sage-femme. Il devait faire face à des maladies contagieuses et il lui arrivait de mettre en quarantaine des passagers. En 1998, on a découvert que la coque continuait à se corroder dans l'atmosphère humide du quai et un gigantesque travail de conservation a été entrepris. Il a consisté à installer une plaque de verre au niveau de la ligne de flottaison de façon à isoler la coque dans une cale sèche. Un système de déshumidification a été installé pour maintenir cette cale sèche en dessous de 20% d'humidité, permettant ainsi de préserver ce navire historique.